Je travaille dans le milieu communautaire, ça fait plusieurs années, puis je voyais qu'il y avait vraiment une lacune au niveau de l'information qui circulait entre les deux milieux, celui municipal et communautaire. Donc, je trouvais que j'avais une belle opportunité d'aller faire valoir un peu le milieu communautaire dans le monde municipal. Bien, je ne sais pas si c'est directement lié au fait que je suis une femme ou au fait que c'est mes valeurs communautaires, mais moi, le climat de travail, l'aspect humain, prendre en considération comment les gens sentent puis vont subir les conséquences de nos décisions, pour moi, c'est une préoccupation constante. Alors évidemment, quand on parle de projet de développement territorial, quand on parle de mise en place d'un chemin, d'un parc ou de quoi que ce soit, j'ai toujours le réflexe de me dire, ben, est-ce que les gens vont être bien là-dedans? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il y a des conséquences? Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que l'aspect financier de la gestion d'une municipalité. En fait, à mon arrivée, ce que je voulais surtout, c'était créer une équipe de travail avec mon conseil municipal pour qu'on développe des projets ensemble. C'était vraiment ça mon objectif de départ, c'est que dans les 4 ans qu'on allait faire, qu'on s'attribue des mandats, puis qu'on réalise certains projets dans ces différents dossiers-là. Bien, en fait, moi, je suis une fille très côté humain d'une organisation. Alors, sur le plan technique, bien, on a assumé les mandats qu'on avait à assumer. On a réalisé un centenaire. C'est super intéressant. On est en train de mettre une politique familiale en place. J'adore ça. Mais au-delà de ça, ce que je suis très fière, c'est le climat dans lequel on a travaillé toute la gang. Ça, écoute, j'ai une équipe vraiment super le fun. On a géré des difficultés, on s'est bien adapté, ça a super bien été. Vraiment, là, je trouve qu'on est vraiment une belle équipe. Puis ça, pour moi, c'était vraiment ça qui est important. Oui, j'aime ça. J'adore ça être mairesse de Saint-Eugène-de-Guigues. C'est vraiment, écoute, je sais pas d'une autre municipalité ce que ça aurait pu être, mais chez nous, là, j'adore ça. J'aime vraiment ça. Ce que j'aime moins, c'est le temps que je devrais y consacrer et que je ne peux pas consacrer. Au niveau territorial, les gros dossiers, les gros enjeux territoriaux, quand on est à temps partiel, maman et tout ça, d'approfondir ces dossiers-là, c'est vraiment difficile pour moi. Alors, je sens pas que j'ai la capacité totale de prendre des décisions importantes autour de la table. Alors, je m'en remets souvent à mes collègues, autres maires qui ont plus de temps que moi, à tort ou à raison, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut, évidemment. Alors, en fait, je pense que quand mes enfants vont être grands, il y a un fort potentiel que je revienne en politique, municipale ou autre. Je crois que ça m'intéresse. La politique, ça m'a toujours intéressée. Je trouve que les enjeux de société, j'ai des préoccupations constantes pour ça. Alors, je me verrais bien mal ne pas m'impliquer à quelque niveau que ce soit. Mais en municipal, là, je ne sais pas. On verra. Mais évidemment, je vais m'impliquer en politique, c'est sûr. En fait, moi, je dirais fonce, vas-y. C'est vraiment une très belle expérience de vie dans laquelle je me suis lancée. Je regrette pas du tout, du tout. Je pédale, je t'ai soufflé, évidemment, mais je le regrette vraiment pas. C'est une très belle expérience. J'ai adoré ça. Alors, je vous dis, foncez, allez-y, hein, c'est clair. Ça prend beaucoup d'énergie, mais si vous en avez, lâchez pas, c'est vraiment bon.